Nos affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. C'est l'héritage de mon peuple. Je dois le protéger. Lui et ses secrets. Qu'on me préserve de l'entêtement des nains. Votre orgueil causera votre perte. Vous êtes chez l'une des rares personnes en Terre du Milieu qui puisse lire cette carte. Montrez-la au Seigneur Elrond. Thorin, non. Erebor, de quelle nature est votre intérêt pour cette carte? Il est d'ordre intellectuel. Comme vous le savez, ce genre d'objet contient parfois des textes cachés. Vous lisez toujours le Narnien ancien, n'est-ce pas? Ah, Cirith Ithil. Des runes lunaires, bien sûr. Difficile à repérer. Dans le cas présent, c'est vrai, les runes lunaires ne peuvent être lues qu'à la lumière d'une lune de même forme et saison que le jour où elles furent tracées. Sauriez-vous les déchiffrer? Ces runes ont été écrites une veille de solstice d'été sous un clair de lune à son premier quartier, il y a près de 200 ans. Vous deviez être destiné à venir à Foncombe. La chance est avec vous, Thorin, écu de chêne. Une lune identique brille au-dessus de nous ce soir. Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera. Et le soleil couchant, avec la dernière lueur du jour de Durin, brillera sur la serrure.